2017 à l'Université d'Orléans, le SLAPS et le STAPS, avec notamment Olivier Pinault et Nicolas Quebal, ont organisé cette table ronde en faisant venir des intervenants de très haut niveau, vous verrez tout à l'heure, et on espère que vous, public, nombreux qui êtes présents ce soir, aurez de nombreuses questions à leur poser. Et puis on verra dans le cadre des échanges, lorsqu'on prendra la parole à l'un ou à l'autre, lorsqu'il s'agit notamment des personnalités qui sont au premier rang, on les présentera à ce moment-là. Je vais de suite laisser la parole au représentant de l'Université d'Orléans, Denis Chabrier, qui est vice-président et qui a intitulé de son titre à notamment l'inclusion, donc c'est vraiment quelqu'un de bien placé pour venir ouvrir cette table ronde et nous parler de ce qu'il va vouloir nous dire maintenant, puisque nous n'avons pas répété de ce côté-là. Denis Chabrier, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous prie dans un premier temps d'excuser l'absence du président de l'université qui était retenu sur un REFEP, c'est-à-dire la revalorisation des grilles salariales de l'université. Donc il est actuellement avec les organisations syndicales et il s'excuse du coup de son absence. Donc en tant que vice-président de l'université, je suis néanmoins heureux de vous retrouver ce soir. Heureux à plusieurs titres, puisque je salue la présence du directeur de l'UFRST. Je salue également la présence de la chargée de mission handicap auprès des étudiants, donc Fabienne Zécussin ici présente, qui est évidemment experte sur ces questions-là. Et je tiens à remercier évidemment à la fois Nicolas et Olivier pour cette... Merci Olivier. Donc je découvre la présence de tous les illustres personnages ici. Et en particulier, bonjour à tous et à toutes en vos grades et qualités. Ça va être beaucoup plus simple. Je serai ainsi certain de mettre personne. Je suis d'autant plus heureux d'intervenir ce soir, alors certes par ma casquette de vice-président en charge de l'inclusion au niveau des personnels de l'université, mais aussi vis-à-vis d'autres casquettes que souvent en fait les collègues ou les étudiants et étudiantes ignorent. Je suis par ailleurs en fait vice-président de la Fédération française de canoë-kayak et de sport de pagaie et également membre du CNOSF, du Comité national olympique et sportif français. Donc les casquettes sportives, les casquettes liées au handicap, c'est au quotidien que je les anime. Et en particulier sur cette SOP, c'est-à-dire cette semaine de l'Olympisme et du Paralympisme, il est bon de rappeler toutes les valeurs qui sont véhiculées. Je vous rappelle les valeurs de l'Olympisme, c'est certes l'excellence, mais c'est aussi l'amitié et le respect, et en particulier le respect des différences. Et je pense que ce soir, la soirée, et je remercie les intervenants et les intervenantes, puisque ces valeurs vont prendre vie, vont prendre corps. Je rappellerai aussi juste une chose, c'est que souvent on assimile l'Olympisme aux Jeux qui se déroulent tous les 4 ans. En réalité, l'Olympisme, c'est aussi l'éducation. Toutes les valeurs qui sont transmises dans l'éducation au quotidien. L'éducation à travers le sport. Et je pense que ça, en stats, ça reste. Alors je ne vais pas monopoliser la parole plus qu'il n'en faut, puisque la soirée va être très riche. Et donc du coup, je laisse à nouveau le micro à M. Gaucher. Merci. Merci beaucoup, on peut venir. C'est un discours parfaitement adapté pour cette table ronde. Encore merci, Michel Meillet, vice-président, pour votre présence. Et je ne l'ai pas signalé, mais vous voyez qu'il y a deux traductrices en langue des signes, Adeline, qui est actuellement à l'œuvre, et Laura, avec qui elles vont se relayer tout à l'heure, parce que c'est une fonction extrêmement exigeante. Merci à elles, je pense qu'on peut les appeler. Alors, le programme de la Semaine olympique et paralympique de l'école de l'université pour cette année, j'imagine que vous le connaissez, mais vous l'avez sous les yeux. Aujourd'hui, donc, en ouverture, cette table ronde qui va permettre d'aborder la thématique que vous connaissez, mais que je vais relire, le sport de haut niveau comme vecteur d'inclusion. Regard croisé, partage d'expérience sur le caractère inclusif des sports olympiques et paralympiques. Et puis, demain, grande journée, gymnase universitaire du post-staps le matin avec une rencontre inclusive dans le cadre de Génération 2024 qui touche les établissements du premier, du second degré et du supérieur.
et l'après-midi au gymnase, en soirée, pardon, au gymnase universitaire, un entraînement et tournoi sportif avec l'équipe de volley assis de l'étudiant club Orléans. À ce sujet, un quatrième intervenant devait être présent ce soir, Yoann Escalard, en charge du haut niveau justement sur le volley assis à la Fédération Française de Volleyball. Malheureusement, il n'a pas pu se libérer, donc il vous demande de l'excuser, c'est chose faite. Mais nous avons trois intervenants avec qui on va faire connaissance de manière plus ample dans quelques instants. On revient rapidement sur l'historique des conférences ou tables rondes qui a été organisée dans le cadre de la Semaine olympique et paralympique depuis 2019. Donc je vous laisse regarder les thématiques qui ont été abordées cette année-là. Alors ça, c'était avant Covid. Donc je passe à la diapo suivante en 2020. Hein, quel héritage pour les générations 2024, parce que évidemment, avec Paris 2024, il y a des manifestations dans le cadre de l'olympisme et du paralympisme qui seront très importantes, mais s'il n'y a pas de retombées par la suite pour le pays, pour vous, pour tous ceux qui vous suivent, et pour des adultes également, ce serait évidemment très dommage. Nous intervenons. On aura en détail tout à l'heure qui ils sont. Véronique Barré, qui est là, qui interviendra en dernière position pour parler de l'inclusion dans le monde professionnel des sportifs. Thierry Gauthier, qui viendra en ouverture, qui est la Fédération française de boxe, et qui nous parlera d'inclusion dans différents domaines. Et Olivier Lardier, entraîneur de volleyball, tous les niveaux, également au niveau national, actuellement entraîneur du club de l'ECO, l'étudiant club Orléans, l'équipe Les Comètes, qui est au deuxième niveau national actuellement, qui vous présentera une autre forme d'inclusion. Je parle, je vais vite m'arrêter, céder la parole à nos intervenants, et puis il y aura des moments où vous, dans la salle, on souhaiterait, bien évidemment, que vous puissiez intervenir, un micro se promènera dans la salle pour que vous puissiez poser vos questions par rapport à ce qui aurait été dit, par rapport à cette thématique, par rapport à ce que ça soulève comme réflexion chez vous. Je suis allé trop vite. Alors, les organisateurs ont fait le choix d'inclure des définitions d'inclusion. Alors, elles sont choisies, c'est un choix subjectif, comme toujours. Des définitions, il y en a beaucoup, mais ils ont pensé que ça pouvait faciliter la réflexion qu'il pouvait y avoir. Action d'inclure quelque chose dans un tout. Un ensemble, un état de choses, état de quelque chose qui est inclus dans autre chose, l'inclusion d'une clause nouvelle dans un contrat. C'est un accès comme définition, même si c'est celle du Larousse, on voit qu'on ne va peut-être pas aller très très loin, ce ne sera pas suffisant. La deuxième, action d'intégrer une personne, un groupe. Mettre fin à leur exclusion sociale notamment, les auxiliaires de vie sociale aux conditions de favoriser l'inclusion des élèves. Prenez note, on y reviendra tout à l'heure. Alors celle-ci, plus riche, différente, on va voir si elle peut vous convenir, il y a l'Université du Québec à Montréal. L'inclusion se rapporte à la création d'un environnement où tous les gens sont respectés de manière équitable et ont accès aux mêmes possibilités. Je ne dis pas la suite, ce serait trop long. Je vous laisse en prendre connaissance. C'est pas génial. Vous avez tous une bonne vue. Hein. Les jeunes sont au front, donc il n'y a pas de souci. Donc, je continue. Alors, l'inclusion, donc avec un petit schéma, une petite illustration, qui vise la transformation des milieux d'études, de travail et de vie pour les adapter à la diversité des personnes. Vous avez un commentaire qui vient derrière, donc ça, vous avez les références qui sont indiquées en bas, toujours l'Université du Québec à Montréal, mais avec une référence sur l'Université de Cincinnati. Donc l'égalité, il y a une barrière devant, et on est tous au même niveau, l'équité. On a cherché à recréer un avantage pour celles et ceux qui auraient été plus défavorisés. Et puis l'inclusion, ben, il n'y a pas de barrière dedans, donc on est tous comme on est et on peut tous profiter de la même vision.
Ça se prépare également, hein, l'intégration des lignes, l'insertion d'individus dans des systèmes créés pour la collectivité. Ah, vous voyez, hein, tout ce qui est à l'intérieur du cercle est de même couleur, donc on suppose que tout se ressemble, et puis à l'extérieur, il y a des couleurs différentes, on est vraiment à l'extérieur, l'exclusion. Ça existe, ça existait. La ségrégation, non seulement on est à l'extérieur, mais en plus on est enfermé dans des limites qu'on ne peut pas dépasser. L'intégration, là, le visuel parle bien, et puis l'inclusion, il n'y a plus de limite du tout. Donc on voit bien que entre intégration et inclusion, l'évolution, lorsqu'on est parti de situation initiale, est vraiment importante. Mais l'inclusion, c'est pas facile, quel qu'en soit les domaines. Il y a beaucoup d'obstacles à lever, mais c'est ce qu'on pourra voir ce soir. Une définition, l'inclusion scolaire, un ensemble de pratiques pédagogiques qui permettent à chaque élève de se sentir valorisé, confiant et en sécurité. Je vous laisse regarder. Et dans le secondaire, pendant longtemps, il existait des classes à destination d'élèves en difficulté, avec un handicap reconnu, soit de manière cognitive, du moteur ou autre, du psychologique. Et on est passé maintenant, cette classe du pays, unité pédagogique d'intégration, à unité locale d'inclusion scolaire, où les élèves sont présents dans des classes avec des élèves valides. La définition de l'inclusion en milieu professionnel, donc Véronique Barré évoquera tout à l'heure, bien évidemment, hein, l'inclusion dans l'emploi, c'est agir pour que ces personnes retrouvent espoir, parce qu'elles avaient perdu, dans le cadre sportif, ce sera différent, résolvent leurs difficultés, décrochent à nouveau un travail, touchent un salaire et se projettent durablement dans la vie active, au ministère du Travail, du plein emploi et l'insertion pour la source. Et puis au niveau de l'APIS, hein, la source du CIO, concourir sur un pied d'égalité, je vous invite à constituer depuis longtemps une plateforme puissante, capable de promouvoir l'inclusion, la diversité et l'égalité. La FTL complètement libre à vous d'avoir évidemment votre avis. En effet, la non-discrimination est l'une des piliers fondateurs du mouvement La Vie. Puis je vous laisse lire la suite. Et puis c'est vrai qu'il y a des réflexions dans les fédérations et une réflexion qui a déjà été faite au niveau du CIO pour un sujet très actuel. Faut-il permettre à des athlètes dont des pays sont impliqués dans des guerres d'un pays voisin, je dirais pas plus, de participer ou non aux Jeux Olympiques. Ça, on peut supposer que à la période de cette diapositive, la réflexion est engagée. Voilà, cette présentation a été assez longue, mais elle nous paraissait nécessaire. Et il revient maintenant à Thierry Gauthier de prendre la parole, envoyer le CV de Thierry est très très impressionnant. C'est quelqu'un qui connaît bien la région Centre-Val de Loire, hein, et qui a eu des hautes missions nationales. Thierry, c'est à toi maintenant. Merci. Je ne sais pas si le CV est impressionnant, je ne sais pas si c'est intéressant le CV. En l'occurrence, le sujet est intéressant. Je vais donc essayer d'aborder l'inclusion dans ce qui est le sport de haut niveau et dans ce qui est ma discipline de prédilection, ma discipline historique, en l'occurrence la boxe. Parler d'inclusion en boxe, ça peut paraître un peu bizarre. C'est une discipline qui est assez fermée dans le sens où une discipline qui est historique, une discipline qui est essentiellement historiquement masculine. Donc je vais essayer de m'attacher ce soir à parler d'inclusion d'un public, en l'occurrence le public féminin, puis après je passerai le témoin autour de l'inclusion des publics handicapés en boxe, parce qu'on a réussi à avoir une inclusion. Je vous en parlerai légèrement parce que ce n'est pas ma spécialité, même si une petite vidéo illustrera mon propos. Je vais essayer de lancer mon diaporama à distance. Et après je vous laisse la main. Donc parler d'inclusion en boxe, pour moi c'est parler de féminisation plus que d'inclusion, parce que la boxe est une discipline au départ qui est historiquement, malheureusement, masculine, bien qu'il y ait eu, si on peut être sur la deuxième diapo, bien qu'il y ait eu des tentatives il y a fort longtemps, on verra sur la diapo suivante, où des femmes ont participé à des compétitions de boxe, mais pendant longtemps, très très longtemps, discipline machiste, discipline masculine, avec des propos qui étaient parfois difficiles à entendre en ce qui concernait les publics féminins.
Donc une discipline qui a cherché à inclure, à intégrer plus qu'inclure au départ les publics féminins, parce que c'est passé, ça a démarré dans les années 90, donc c'est très très récent. Les publics, les femmes pouvaient aller dans des disciplines sport de combat classiques, judo, lutte, et même des sports pieds-poings, ça va. Mais en l'occurrence, dans ma discipline, en boxe anglaise, c'était formellement interdit. Formellement interdit d'être licencié, formellement interdit la pratique de compétition, il n'y en avait même pas. Donc à partir des années 90, il y a eu une volonté d'une commission fédérale féminine de mettre en place tout un dispositif à destination des publics féminins. Et la force de cette commission a été qu'elle a été composée à quasiment 100% de femmes qui ont souhaité, au sein d'une fédération encore une fois très masculine, qu'on souhaitait mettre en place tout un dispositif pour permettre à toutes les femmes de pratiquer au niveau qu'elles le souhaitent. Et en l'occurrence, petit à petit, les disciplines, les modalités de pratique se sont développées en se heurtant à cette diapositive, en se heurtant à ce que j'ai voulu lui mettre comme un gag, en l'occurrence une discipline où l'imaginaire, l'image du boxeur, de la boxe est très très forte via les médias, la littérature, le cinéma. On a une image très, vous avez tous certainement une image très forte de la discipline, et que le casser. Le boxeur qui a les cassés, le boxeur qui saigne, etc. Donc, quelque chose qui, psychologiquement, socialement, allait totalement à l'encontre de la position, de la place de la femme dans nos sociétés. Comment une femme pouvait-elle aller vers une discipline où elle allait être marquée, où elle allait risquer de prendre des coups, de saigner, d'avoir peut-être le nez cassé? Comment est-ce possible dans une discipline où c'est à la fois l'objectif. L'objectif, c'est le chaos. L'objectif, c'est de mettre l'autre hors combat, l'un des premiers objectifs. Donc, la symbolique de la mort est forte en boxe. Comment une femme, une personne qui donne la vie, peut-elle, à un moment donné, monter sur un ring pour symboliquement donner la mort à son adversaire, en l'occurrence, une autre femme? Ben, ça a été toute la problématique de cette commission qui a travaillé pendant longtemps et fermement et fortement pour développer cette pratique, jusqu'à organiser des championnats de France qui ont démarré tout doucement donc dans les années milieu des années 90, et pour aller jusqu'à une intégration de la boxe aux Jeux Olympiques, intégration récente puisque la boxe anglaise, qui malheureusement risque de sortir des Jeux Olympiques, et la dernière discipline qui était non mixte aux Jeux, donc en 2012, intégration des compétitions féminines aux Jeux Olympiques de Londres, la première compétition olympique. Bien avant cela, il y a eu des compétitions, des championnats du monde, des différentes compétitions, on avait souhaité intégrer les publics féminins. Mais en l'occurrence, un développement, c'est pour ça que j'avais mis à marche forcée, si on passe sur la pause suivante. Un développement à marche forcée parce qu'on était derrière toujours dans cette idée un peu désuète, dépassée, qui était celle de, j'ai appris cette phrase de Baron-Pierre de Coubertin, parce que dans cette phrase, il parle de deux sports, le football et la boxe. Et c'est une phrase qui est à mon sens très marquante de l'emprise masculine sur les pratiques sportives féminines et de l'emprise masculine sur la pratique sportive qui est la boxe, de la compétition, où pendant très très longtemps, il y a moins d'une dizaine d'années, la pratique féminine était mal perçue, mal vécue. Malgré tout, il y avait eu, comme je vous le dis, certaines tentatives, il y a fort longtemps, de pratique féminine. On a l'impression que ça n'existait pas, bien si, il y a toujours eu des femmes à pratiquer la boxe, dans des contextes particuliers, cachés. Ce contexte, cette image, elle est à la fois désuète, mais ces deux femmes pratiquent une discipline, qui est donc la boxe, mais c'est la même chose que vivent actuellement des jeunes filles dans d'autres pays, des jeunes femmes qui, en Iran, en Afghanistan et dans d'autres pays avec des diplomaties, on va dire ça comme ça, très limites, leur interdisent la pratique et qui pour autant sont comme ces deux jeunes femmes sur la photo, en train d'essayer de pratiquer, de mettre en avant ce sport, de se mettre en avant au travers de la pratique boxe. On a de plus en plus de jeunes femmes qui viennent d'Afghanistan, d'Iran, qui viennent en France, dans les pays occidentaux, pour pratiquer leur discipline, en l'occurrence la boxe. Donc une discipline où
l'inclusion du public féminin, j'ai du mal à me dire l'inclusion des femmes, ça me gêne toujours énormément de dire ça. L'inclusion du public féminin a été, comme je vous l'ai dit, très longue, avec pour nous en France en point d'orgue deux jeunes femmes, que sont Estelle Mosley, championne olympique en 2016, et Sarah Ouamoun, médaille de bronze en 2016 aussi. Argent, pardon, oui, argent. Donc deux jeunes femmes qui ont, si je les ai mises en avant, c'est pas forcément pour leurs résultats sportifs, même si c'est des résultats qui sont merveilleux, inattendus pour nous, fédération, inattendus pour nous, boxeurs, c'est que ces jeunes femmes ont une caractéristique intéressante pour moi, pertinente, forte. Sarah Ouamoun est aujourd'hui chef d'entreprise. Sarah Ouamoun est vice-présidente de la Fédération française de boxe, et Estelle Mosley est ingénieure, puisqu'elle a terminé ses études à l'issue des Jeux. Donc deux jeunes femmes qui sont entre guillemets symboliques du public féminin que nous rencontrons, et symboliques du public féminin de haut niveau. Parce que, contrairement à ce que j'ai voulu montrer dans ma première diapositive, à l'imaginaire qu'on en a à la boxe, on a certainement un imaginaire, vous avez certainement un imaginaire du boxeur, donc, comme je le disais, la gueule cassée, pas très intelligent, issu des milieux défavorisés, culturellement peu enclin à se cultiver, avec des métiers durs, métiers manuels, et bien, nous on fait le constat, c'est que le public féminin, les jeunes filles que nous avons en équipe de France, sont des jeunes filles, des jeunes femmes qui sont diplômées, voire surdiplômées, parce qu'on en a une qui est médecin, qui est toujours à l'hôpital de Tours, si je ne m'abuse, en cardiologie. On a des jeunes femmes qui sont donc cultivées, qui sont dans les êtres, puisque nous avons eu Aya Sissoko, qui a été championne du monde, qui a écrit son deuxième livre récemment, qui est acteur, bref, quelqu'un qui représente à la fois une culture, représente à la fois un pays, représente à la fois une discipline, et au-delà de ça. Et donc on est face à ce public féminin qui, dans notre discipline, est à contrario de l'imaginaire que l'on peut avoir de notre discipline, totalement à contrario. Et nous sommes... On peut aller sur la dernière. Et nous sommes donc dans une discipline qui, au-delà de l'inclusion des jeunes femmes, va aujourd'hui vers d'autres formes d'inclusion. Et je ne vous en parlerai que très très peu parce que je ne suis pas du tout spécialiste du handicap, je l'ai vécu de l'intérieur, mais quelque chose que moi j'ai trouvé merveilleux. Il y a un monsieur qui est maintenant décédé, qui s'appelle monsieur Gilbert Joël, qui est enseignant de PS, qui a lancé le handibox il y a une bonne vingtaine d'années, en 2002-2003. Et ce monsieur a monté un challenge que l'on va voir en vidéo et qui est le symbole de l'inclusion dans tout ce qu'elle peut avoir de force, c'est-à-dire que durant cette fête de la boxe, pendant 3 jours, personne valide, personne handicapée, tout type de handicap, se rencontrent autour d'ateliers, se rencontrent autour de situations de boxe, dans un contexte de fête de l'inclusion au travers et à l'aide d'un outil qui est la boxe. Je vais donc, si je peux. Ah, je voulais. Est-ce qu'il va pas? Je vais aller le chercher. Est-ce que le boxeur a le droit pour aller jusqu'à la télécommande? Alors, le son n'est plus là, c'est dommage. Et donc, je vais essayer de faire un commentaire. Voilà, donc cette fête de la boxe va, comme vous le voyez, très très loin, puisque la dame que vous avez vu sur les images, à 71 ans, elle est handicapée en fauteuil, et c'est la plus grande fête, la plus grande joie pour elle, c'est de venir à cette compétition tous les ans. Et vous voyez, tout type de handicap au travers et autour d'une discipline, au final, cette discipline est un outil,
d'inclusion. Et elle est aussi, à mon sens, un outil d'inclusion des publics féminins. Je vais donc revenir à ma spécialité. Est un outil d'inclusion des publics féminins. Parce qu'à un moment donné, il y a une jeune fille, moi, qui m'a fait une réflexion il y a fort longtemps, dans les années 90, quand je faisais une animation dans un quartier, et qui m'est venue sur le ring, voulait faire de la boxe, finalement, dans un quartier de Strasbourg, quartier difficile, et qui m'a dit, moi, je veux monter sur le ring, parce que je veux leur montrer que moi, je suis capable de faire ce que eux, les garçons, ne sont pas capables de faire, monter sur le ring. Je vais vous dire ce qu'elle m'a dit, prendre des coups et accepter de prendre des coups. Et là, je me suis dit, là, la symbolique de l'inclusion, elle est là. La jeune femme issue, la jeune fille issue des quartiers sensibles, des quartiers difficiles, va, au travers de cette discipline, et a, au travers de cette discipline, montrer qu'elle était l'égale des garçons, elle avait 14 ou 15 ans, l'égale des garçons parce qu'elle était en capacité de faire ce que eux faisaient, ou pour certains, ne voulaient pas, ne pouvaient pas faire, monter sur un ring et prendre les coups. Merci. Merci. Merci Thierry Gauthier pour cette première partie de la présentation de l'inclusion au sport de haut niveau. La seconde partie, elle va revenir à Olivier Lardier, qui va maintenant pouvoir illustrer, on va essayer de sortir de la vidéo pour avoir l'affichage. Donc, voilà. Alors Olivier, le micro fonctionne ? Oui, parfait. Eh bien c'est à toi. Bonsoir, donc moi je m'appelle Olivier Lardier, je suis entraîneur de volleyball depuis 30 ans dans des clubs professionnels masculins, féminins et puis 14 ans d'équipe de France, 9 ans avec les garçons et 5 ans en tant que responsable de la filière féminine à la fédération. Et depuis cette année, je suis entraîneur de déco Orléans, ici à Orléans, en élite. Moi je vais parler du haut niveau, puisque c'était le thème à aborder, avec deux objectifs au niveau de l'inclusion. Le premier, c'était de parler de l'inclusion par la mixité sociale que l'on a, par la mixité culturelle que l'on a. Puisque en sport professionnel, puisqu'on est un sport collectif, dans le sport professionnel, on a une mixité culturelle avec une intégration et une inclusion de grands nombres de nationalités différentes. Cette année est marquée par une chose un petit peu plus extraordinaire que les autres années, puisque dans notre équipe à Orléans, on a récupéré 3 joueuses qui ont le statut de réfugiés, 3 joueuses originaires d'Ukraine. Donc c'est un statut complètement particulier, inhabituel, en raison de la situation et du contexte mondial. Ces joueuses-là, aujourd'hui, sont dans une situation où, familialement, elles sont loin de leur famille. Les personnes de sexe masculin sont restées dans le pays et vivent des situations qui sont très très compliquées. On a une joueuse qui est originaire de la ville de Kherson, qui est aujourd'hui une ville séparée par un fleuve, d'un côté la Russie, de l'autre côté l'Ukraine. Et ces joueuses-là, aujourd'hui, ont ce statut très particulier de réfugiés, qui leur permet d'avoir beaucoup d'avantages, parce qu'on est dans un pays qui offre ces possibilités-là à ces personnes qui arrivent de pays en guerre. Et donc cette mixité-là, on l'a aussi avec d'autres cultures, d'autres pays, pour des joueuses étrangères qui viennent jouer dans les clubs professionnels. Et la Fédération, la Ligue nationale de volleyball, ouvre à un grand nombre d'étrangères, puisque en Ligue A, vous avez une seule joueuse française obligatoire. Nous, en élite, on a 3 joueuses françaises obligatoires sur le terrain. Donc on a un grand nombre de cultures différentes. Cette inclusion-là, elle permet à la fois de rencontrer des gens d'autres cultures sportives, mais aussi de s'enrichir de ces cultures-là, parce que chaque personne, chaque culture sportive est totalement différente les unes des autres par rapport à la préparation physique, par rapport au comportement sur le terrain, par rapport à l'entraînement, et donc on apprend beaucoup de ces personnes-là. C'est également la possibilité de rencontrer ces personnes-là et d'avoir un enrichissement au niveau du collectif. On porte des valeurs, on est dans un sport collectif. Ces valeurs-là sont communes à l'ensemble des sports collectifs. On a de la solidarité, de la combativité, bien évidemment, toutes ces choses que vous connaissez, que vous pratiquez certainement dans vos clubs et dans vos activités sportives. Mais c'est vrai que chaque culture amène une différence
dans la mise en place de ces valeurs-là, dans l'organisation de ces valeurs-là. On a vraiment une différence importante entre les joueuses d'Amérique du Sud qui arrivent avec les joueuses qui arrivent de l'Amérique du Nord, sur le fighting spirit, sur l'état d'esprit. On a des vraies différences avec les gens qui arrivent des pays de l'Est. On a peu de joueuses asiatiques qui intègrent les championnats européens, mais c'est en train d'arriver. Il y a quelques joueuses japonaises qui arrivent aujourd'hui et qui vont aussi faire évoluer la mentalité par rapport à la pratique et par rapport à l'approche que l'on a de l'entraînement. Voilà. Donc on a vraiment une inclusion par la mixité au niveau des clubs professionnels. Ensuite, quand on parle d'inclusion au niveau du sport de haut niveau et pratique de championnat professionnel ou élite, aujourd'hui c'est difficile de dire qu'on a une inclusion directe. L'inclusion, elle se fait par la formation, et la formation, elle se fait par les centres de formation ou les filières fédérales. Et donc là, on a tout un travail qui se fait, bien évidemment, sur l'intégration, l'inclusion des jeunes des quartiers, des jeunes qui sont en difficulté sociale, et par le sport, on leur inculque les valeurs, on leur inculque un cadre de vie, un cadre d'équipe, des règlements très collectifs. Et c'est vrai que ça permet à avoir un développement individuel et à permettre l'éclosion de certains talents pour arriver jusqu'au plus haut niveau. On est une fédération paritaire, on a 50% de licenciés féminins et 50% de licenciés masculins, donc on n'a pas cette problématique qui était évoquée dans la boxe. Donc on a cette culture-là qui est commune avec le volet masculin et le volet féminin. On a une grosse différence, bien évidemment, en termes de niveau et en termes d'historique dans la pratique et dans le haut niveau. Et ça, ce ne sont que des problématiques qui sont liées aux moyens donnés à la filière féminine et aux moyens donnés à la filière masculine. Aujourd'hui, on a une équipe de France masculine qui est championne olympique, qui a des titres depuis quelques années, et qui avait d'autres titres avant, mais qui n'avait pas eu cette génération dorée. Par contre, chez les filles, on est encore loin de ces résultats de très haut niveau. On commence à avoir, vous avez vécu l'année dernière, ici à Orléans, le premier titre de l'équipe de France au niveau européen avec la Golden League, équipe de France féminine. C'était une première historique, ça s'est fait ici. Mais cette inclusion-là, elle a toujours été existante au niveau femmes et hommes. Je vais prendre un petit peu la parole comme a fait mon collègue juste avant sur la partie du volet assis. Cette structure-là, cette forme de pratique sportive, elle, est arrivée ces dernières années. Il y a 20 ans, 30 ans, le handicap était déjà inclus dans la pratique du volet, mais c'était un volet debout, c'était une équipe de 6 personnes qui jouaient avec des handicaps physiques. Et donc la pratique a totalement évolué, et aujourd'hui on est passé sur une pratique qui est une pratique discipline olympique avec le volet assis. Aujourd'hui on a cette pratique-là, et la fédération aussi a développé une équipe de volet sourd qui a participé cette année aux Olympiades et aux Championnats du Monde, et qui est 4e nation mondiale pour le volet sourd de mémoire. Voilà. Alors que le volet assis est en plein développement. Voilà. Donc nous, l'inclusion, c'est vraiment cette inclusion de mixité culturelle, et puis l'inclusion par les centres de formation, plus que l'inclusion dans le sport de haut niveau directement, parce qu'on a très peu de génies sportifs qui arrivent et qui se développent d'un coup et qui arrivent dans les clubs. Voilà. Très bien. Merci Olivier Ravier. Il va y avoir maintenant un temps de questions-réponses sur cette première partie inclusion et sport de haut niveau. Donc il va falloir que vous soyez acteurs et actrices, vous toutes et vous tous dans la salle, n'hésitez pas à vous signaler, un micro vous parviendra et vous permettra d'intervenir à ce moment-là. Déjà, on ne peut que se féliciter d'avoir eu cette présentation. On a des personnes complètement passionnées derrière la table, on l'a bien vécu. Hein. Tout ce dont ils nous parlent représente évidemment beaucoup pour eux, et ils sont forcément convaincus de l'utilité de l'inclusion par le sport dans le côté fédéral, dans le côté club, que ce soit dans le cadre de la boxe et dans le cadre du volley. On a vu des notions très différentes. Hein. Si je reprends sur la boxe entre hommes et femmes, par exemple, hein, sur les profils,
D'ailleurs, à ce sujet, je ne sais pas, je suis tombé hier par hasard, je venais au poste de télévision, parce qu'à mon âge, on regarde encore parfois la télévision, et cette 2, c'était Souleymane Sissoko. Je vous invite d'ailleurs à retrouver ce court reportage qui doit être diffusé un petit peu partout sur toutes les plateformes, qui mettait sa notoriété, alors médaille de bronze aux Jeux Olympiques, qui maintenant est assez, qui est assez professionnel, 16 combats, 16 victoires, et qui retourne dans l'école de son quartier, dans le 19e à Paris, pour prêcher la bonne parole, avec des mots forts qui renvoient aussi à la scolarité, à la réussite, dans un quartier parisien défavorisé, qui donne deux fois par mois des leçons de boxe à l'extérieur à des jeunes qui sont là. Et là, je m'excuse pour ce que tu as dit tout à l'heure, mais on y revient, c'est-à-dire le profil des garçons, ben, c'était pas, ça ne semblait pas être Estelle Mosley et puis Sarah à ce moment-là. Donc ça, c'est riche. Voilà, donc pour la boxe. Pour Olivier Lardier au volet, avec l'expérience qu'il a eue dans des milieux très différents et de nombreuses années en contact en tant que manager notamment des équipes de France jeunes adultes, tant chez les hommes que chez les femmes. Et puis le volet assis qui vous a été évoqué là. D'ailleurs, Olivier, je me permets une première question. Le volet assis, moi je suis valide. Je peux venir m'intégrer dans une équipe de volet assis? Oui, aujourd'hui, la fédération qui est en train de promouvoir cette activité-là permet à des personnes valides de s'intégrer dans des collectifs où il y a également des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on a des personnes au club qui sont handicapées parce qu'il y a eu une amputation, il y a eu une malformation, des problèmes génétiques, par exemple. D'autres personnes qui sont là parce qu'il y a eu une opération et il y a un temps de réadaptation et de réhabilitation, mais il y a des personnes totalement valides qui choisissent de participer à cette compétition-là. Et donc aujourd'hui, la compétition est ouverte à ça. Au niveau international, ça ne l'est pas. Mais en termes de développement de l'activité, de la promotion de l'activité, c'est ouvert à tous les participants. Et là, on est bien dans une inclusion, tout le monde est au même niveau. Hein, si l'handicap est sur les membres inférieurs, une fois qu'on est assis, bien évidemment, on s'y retrouve. Et du côté de la boxe Thierry, puis je m'arrêterai là parce qu'après ce sera long, bien évidemment, on a vu dans le anti-boxe des personnes porteuses d'un handicap s'opposer. On a vu aussi être en opposition, coopération avec les valides, c'est bien ça? Oui, il y a une volonté de pluralité au sein de la boxe des pratiques. C'est-à-dire qu'il y a des compétitions totalement handicapées, handicap, et il y a une mixité valide, non valide. Alors, sous forme de compétition d'assaut, mais aussi sous forme d'atelier, comme il y a pu venir l'avoir dans la vidéo. Merci. Alors, la salle, maintenant, c'est à vous, hein. Que ce soit nos personnalités, qu'on salue une nouvelle fois Francis Cabal, vice-président chef des sports au conseil départemental du Loiret, la présence de Jacques Faube, qui est là, qui a été enseignant ici en STAPS et bien ailleurs, Jean-Claude Bois, que les basketteurs, basketteuses connaissent peut-être, qui était arbitre international, qui a des responsabilités à la FIBA, la Fédération internationale, Gérard Malveau, professeur de PS aussi au départ, et qui a une responsabilité dans le cadre du sport universitaire, et qui a appelé les mandats précédents en tant que vice-président en charge des sports au conseil départemental de Loiret, avant que Francis Canal prenne la relève, et puis Claude Bourquin en charge du sport. Jean-Claude, peut-être, Jean-Claude, j'ai eu un doute, au moment où j'ai eu toutes mes excuses, Jean-Claude Bourquin, président du sport universitaire libre régional. Voilà, je n'ai pas fait trop d'erreurs. Je m'en excuse pour le présent. Et Marc Dubois, le directeur du CREPS, est présent également. Je ne l'avais pas vu, je le salue. On s'est croisé hier dans un autre cadre. Je ne sais pas où il est, mais bon. Et puis, merci. On aurait pu équiper différemment. Et voilà. C'est à vous de poser vos questions. Alors, je sais qu'il y en a. On signale. Voilà, vous avez gagné du temps, je ne vais pas les timides. Voilà, c'est parti, maintenant ça ne va plus s'arrêter. Là, c'est le monde inverse. Je me rappelle du coup quand j'étais petit, dans les années 1980, donc en fait il y avait le football, je crois, le foot national, les jeunes de
sourds en fait qui jouaient, qui en fait il y avait des absents. Donc du coup pendant un an en fait il y a des remplacements en fait avec des personnes entendantes aussi. Et en fait il y a eu une inclusion en fait, là du coup on parle de groupe en fait de personnes sourdes. Trois personnes entendantes en fait qui ont été incluses dans cette dimension. Non, parce qu'il fallait que le micro soit un petit peu plus près de Laura pour que ce soit plus passé. Bon, je pense que ça n'est pas. Dans les années 80, j'ai une cible. Donc il y a une équipe nationale sous foot et il y a eu trois intendants qui ont intégré l'équipe. Donc on parle également d'inclusion parce que tout à l'heure vous voyez sur l'handicap il est inclus, entre guillemets, mais là c'était l'inverse. C'était, on va dire, l'équipe sourde qui incluait les entendants. Est-ce qu'on parle du coup de la même définition ou pas dans l'inclusion ? Inversé. Dans un sens, dans l'autre. Déjà, merci pour cette intervention. Je ne savais pas que ça pouvait se produire ce soir. Inversion des mots, c'est formidable. Hein. Alors Thierry ou Olivier ? Oui, ben, c'est ce qu'on a dit avec le volet assis. Aujourd'hui, la promotion du volet assis, elle se fait à la base pour un public handicapé en e-sport, dans lequel on inclut des gens valides pour participer à des compétitions de championnat de France sur les Hexagones, avec des personnes valides. Et une petite anecdote, le club cette semaine a fait forfait. Parce que une des deux personnes handicapées, il faut deux personnes handicapées dans l'équipe, a fait forfait parce que l'une des deux personnes handicapées a eu le Covid. Et comme on n'avait pas les deux handicapés, l'équipe a fait forfait. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. Alors moi c'était dans les années 80 effectivement. Donc le football en fait entendant, entre guillemets, il y avait beaucoup. Nous, les sourds, en fait, c'était pas le handisport, c'était rien, c'était des professionnels. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de matchs. Et en général, les sourds, ils étaient dans les classements, dans les positions. À l'époque, il n'y avait pas le handisport, c'était pas le professionnel. Et donc, on parle quand même d'inclusion quand c'est inversé, également ou pas. Est-ce que vous ne continuez pas la réponse sur la question d'inclusion dans un sens ou dans l'autre ? Pour moi, l'inclusion, c'est une inclusion totale. C'est-à-dire que c'est où les personnes en situation de handicap qui viennent dans une pratique valide ou l'inverse. Qu'est-ce qu'est l'inclusion si ce n'est le fait d'être tous ensemble à un moment donné, quelle que soit la discipline, quel que soit le contexte, à une pratique, une compétition ou un entraînement ou une situation handicapée pour handicap ou une situation pour valide. Ouais, pour moi, il n'y a pas de distinguo à faire et je ne sais pas si c'est nécessaire de se poser la question. C'est une inclusion dans les deux sens. Et peut-être que, et certainement, moi, le regard à la pratique boxe et au peu de recul qu'on peut avoir du anti-boxe, j'ai l'impression que c'est plus les personnes valides qui se sont trouvées inclus dans un dispositif, dans un environnement, dans un milieu qu'elle ne connaissait pas, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne maîtrisait pas. Et il a fallu, nous, justement, nous inclure dans le monde du handicap pour en comprendre, reconnaître tous les codes et toutes les modalités de fonctionnement pour à un moment donné proposer quelque chose qui soit intéressant pour les uns et les autres. Merci Thierry. Je me suis permis de revenir sur cette diapo et vous voyez bien que dans l'inclusion, tout le monde est au même niveau et qu'on ne semble pas faire de différence et qu'il n'y a pas de priorité de savoir qui accueille l'autre. Tout le monde est dans la même structure. Il y a eu des premières questions, donc il y en aura des suivantes, c'est formidable. Monsieur est demandeur. Il y en a d'autres en attendant, non ? Alors à vous. Eh bien, moi, j'ai toujours intégré les compétitions avec des entendants, et c'est vrai que moi, j'ai pas de problème pour moi. J'ai mon physique, il est normal, c'est juste la communication, la langue, parce que moi, je suis sur la langue des signes. Et on m'octroyait en fait l'étiquette de handicap. Pour moi, c'est la barrière de la langue. Mon physique, c'est pas un handicap. J'ai fait de l'attention. J'étais toujours en première classe, deuxième classe, troisième classe. J'ai fait beaucoup de compétitions avec les entendants. J'ai jamais fait de l'histoire, rien du tout. Et on m'étiquetait en fait, je suis un handicapé. La barrière pour moi c'était juste la même.
Par exemple, moi, mon entreprise, donc c'est formation en langue des signes française, il y a plusieurs sourds, et j'ai embauché un menton, et il y en a plus. Et la langue, c'est la langue des signes, c'est le pont, la communication, la langue des signes, et pour nous, il n'y a pas de handicap, c'est la communication. Après, c'est vrai que bah, la place, pour nous, ce qui est important, c'est la communication et la langue. On peut marcher, on peut nager, on peut faire plein de choses. Eh bien, merci. Merci pour les questions et merci à Adeline pour la réponse. Alors, je crois que le micro est dans la salle pour une autre intervention. Oui, alors, bonjour. Moi, j'aurais une question notamment par rapport au niveau de fédération, par rapport au haut niveau. Qu'est-ce qui est réellement mis en place aujourd'hui pour intégrer les personnes? Parce qu'effectivement, dans le haut niveau, ce qui compte, c'est les normes. Un record olympique de 100 mètres n'est pas un record, c'est 105 mètres. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites au niveau de fédération pour créer du haut niveau dans le handisport. Est-ce que vous avez les effectifs? Est-ce que vous avez les moyens? Comment ça se décrit aujourd'hui, au niveau des fédérations en général, l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le haut niveau? Merci. Donc nous, au niveau de la Fédération française, c'est de nouveau, on est au début du nouvel ère. Voilà. On est sur les politiques mises en place par le ministère, avec le développement du volet santé, du volet handicap, du volet sport. Donc ce sont de nouvelles pratiques. Donc on n'est pas encore sur une pratique de développement de haut niveau pour la compétition. Les moyens sont très limités. On a eu très longtemps un énorme décalage de moyens entre le secteur masculin et le secteur féminin, et on retrouve ce décalage aujourd'hui avec les équipes en dessous. Il y a peut-être des fédérations, d'autres fédérations qui développent et qui mettent les moyens humains, structurels, financiers, logistiques pour développer vraiment les compétitions et le haut niveau pour réussir à faire performer les athlètes qui sont en situation de handicap. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans notre fédération volée. Merci Olivier. Question, on va dans la salle. Et encore après le micro. Il faudrait 4, il y en a 3, vous allez y arriver. Olivier, sportif, affûté, il y arrive. Alors c'est pas une question, c'est juste une remarque. Donc aujourd'hui est sortie la composition de l'équipe de France féminine de rugby moins de 18 ans, qui va donc en Angleterre faire le tournoi destination. Et à l'intérieur, je ne veux pas dire son nom parce que je ne sais pas cette inclusion, mais tout le monde n'a pas forcément envie que l'on sache qu'il y a tel ou tel handicap. En tout cas, à l'intérieur de ce collectif France, il y a une joueuse qui est du Stade Rennais, qui est en Pôle Espoir, et qui est effectivement très malentendante. Donc ça veut dire que tout au long de l'année, à l'entraînement, c'est toute une stratégie pour qu'on puisse, par geste, lui expliquer bien lui expliquer les situations de jeu, donc l'équipe et l'entraîneur, c'est pas être au courant. Puis quand elle arrive au match, il faut prévenir l'arbitre, et l'arbitre, effectivement, sait que cette chose-là, il va falloir faire attention, et ses camarades ont une stratégie pour lui donner toutes les informations nécessaires. Et en équipe de France, ben, il va y avoir une stratégie particulière, mais elle est dans l'équipe valide avec son handicap. Donc c'est une inclusion, une déclinaison de l'inclusion. Jean-Paul Elizondo, merci. Effectivement, on est vraiment dans l'inclusion, puisqu'ils sont ensemble pour la même activité, une activité très exigeante où il faut pouvoir communiquer, évidemment. Olivier. On a plusieurs cas, effectivement, de personnes malentendantes dans les championnats professionnels, en France ou à l'étranger. On a cette année une joueuse dans le club de Saint-Dié-des-Vosges qui est malentendante, qui a joué en Liga pendant des années. On a un joueur qui a joué à Tours, qui a fait les beaux jours de Tours au moment des titres européens et des titres nationaux, qui fait partie de l'équipe nationale américaine et qui est une personne malentendante. Donc il y a effectivement une équipe nationale malentendante où c'est 100% des gens qui participent aux Deaflympics, à ces compétitions-là, très orientées, mais par contre, selon leur niveau de capacité physique, ils sont intégrés dans le collectif et ça pose aucun problème. Le problème de communication, on le connaît dans nos équipes nationales, dans nos équipes de club, parce qu'aujourd'hui, j'ai trois joueuses qui parlent ukrainien, une joueuse qui parle brésilien, une joueuse qui parle espagnol avec l'Argentine,
Et donc cette communication-là, au début de l'année, elle est très compliquée, et nous aussi, on crée des codes de communication par du geste pour que la tactique puisse se mettre en place, et après, il y a l'apprentissage de la langue ou une convention qui fait qu'on décide de parler en anglais, en espagnol, voilà, entre nous. Merci Olivier, donc là ça renvoie... Pour compléter par rapport aussi à la question précédente, on voit aussi dans certaines disciplines, selon le niveau de performance du pratiquant, il est parfois associé à des stages de valide. Je pense à une jeune fille qui fait du canoë, du paracanoë. Sa discipline, c'est le paracanoë, elle est médaillée olympique, mais elle va régulièrement faire des stages avec les valides. Et on a souvent, sur ces catégories-là de personnes qui pratiquent en situation de handicap, des remontements avec des valides qui leur permettent aussi, par rapport à votre question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait pour les élever vers le haut niveau, comme ce sont souvent des petits effectifs, et bien de se caler, de se confronter, de travailler avec les valides, ça leur permet aussi d'explorer d'autres choses et donc d'avancer aussi dans leur performance. C'est un peu comme quand tu as 40 ans, ou quand une jeune fille elle voulait faire du foot, il fallait qu'elle mette un bonnet et qu'on s'appelle Stéphane. Alors à cette époque-là, c'était caché, mais on est toujours dans le même un peu process. On en met un, on en met deux, comme ça, ça passe. Et lui, ça lui permet de pratiquer. Merci Eric Barré. Les femmes ont beaucoup plus d'obstacles à franchir pour arriver à la parité. Et du côté de la boxe, des gens porteurs d'hommes d'un autre type de handicap, bien dans la vie, pas eu. J'allais terminer, moi, par une anecdote. Quand il y a la question de l'inclusion et du distinguo entre public handicapé et public valide, je vous donnerai juste une anecdote. Excuse-moi, Thierry, quasiment mon micro, excuse-moi. Moi, je le prends bien, je prends le pratique. Oui, donc, une anecdote, si on peut le dire comme ça. Nous avons un boxeur qui a été champion du monde, deux fois médaillé olympique, donc en 2012 et 2008. Il s'appelle Jérôme Thomas. Il est né sans pectoraux, à gauche, un bras gauche plus court, pas de doigts. Il a donc subi plusieurs opérations à la naissance, avec des médecins qui lui disaient à la naissance, qui disaient à sa maman, bah, je suis désolé madame, il fera pas de sport, votre fils, hein, vu les problématiques qu'il a avec les pectoraux, vu le bras qu'il a. Bah, Jérôme Thomas, il a été champion du monde parce qu'il a un bras plus court. Vous allez me dire, c'est bizarre. Ben oui, parce qu'en boxe, on a deux bras, mais on en a toujours un qui est plus loin que l'autre. Et lui, il mettait son bras handicapé devant, donc les adversaires se disaient « Ah, il ne touche pas avec le bras gauche, en l'occurrence, donc il ne pourra pas toucher avec le bras droit. » Manque de chance, le bras droit était plus grand plus long que le bras gauche, donc de toute façon, il est touché systématiquement. Et donc Jérôme a fait de son handicap une force, je me répète, qu'il a fait avec champion du monde, senior, il a fait des résultats en junior là-bas, et surtout avec deux fois médaillé olympique, et c'est un des gros palmarès de notre discipline, avec un handicap. Tout ça aussi pour nous dire que dans notre discipline, les images que je vous ai montrées, c'est une fête. La question s'est jamais posée en ce qui concerne notamment les personnes atteintes de surdité en boxe. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu dans l'histoire, il y a toujours eu des boxeurs sourds. Il y a des grands noms de la boxe qui étaient sourds. Il y en a encore. Et au final, on ne s'est jamais posé la question d'intégrer ou de ne pas intégrer, d'inclure ou de ne pas inclure. Ça s'est fait naturellement. Après, il y a d'autres types de handicaps qui sont peut-être plus problématiques. Dans les images, vous avez vu un jeune homme qui avait une prothèse. Ce jeune homme, il était à cette fête de la boxe tous les ans, mais en même temps, il boxe depuis des années et des années avec des gens valides parce qu'il bah, n'y avait pas de compétition anti-handi. Et avec lui, en anti-boxe, bah, il boxe avec des valides. Et la question ne s'est jamais, jamais posée. Merci Thierry Gauthier. Merci Olivier Larrier pour ces interventions. Donc on va clore cette partie du débat. On va donner la parole, alors je vais faire défiler parce que j'ai tabouillé en arrière, à notre intervenant, je vais être long, excusez-moi, je vais revenir, à Véronique Barré, qui va donc pouvoir se lever, intervenir. Alors Véronique, tu as pris la parole il y a quelques instants, mais toi tu as un regard d'experte sur l'inclusion dans le milieu professionnel.
de sportifs, de sportives. Est-ce que par rapport aux interventions d'Olivier et de Thierry, aux questions de la salle, tu voudrais apporter quelques précisions ou ton regard? En fait, en vous écoutant, je me disais que l'inclusion, en fait, on parle d'inclusion quand il s'agit de faire entrer dans un groupe, une population qui a une différence. Cette différence, elle peut être physique, elle peut être liée à un handicap, mais aujourd'hui, on est dans ces logiques d'inclusion, on est tout ce qui touche à la diversité, à l'origine, au sexe. Et en fait, pour les sportifs, il se trouve que pendant que je tournais le documentaire que j'ai réalisé sur l'insertion professionnelle des sportifs, il y a une RH qui me dit en fait, recruter un sportif, intégrer un sportif, ça demande les mêmes démarches que intégrer une personne en situation de handicap. Ça surprend, parce qu'on se dit, mais enfin quand même, c'est plutôt. On voit, enfin, moi je travaille depuis 20 ans avec des sportifs sur les questions de leur après-carrière et je vois toutes les richesses dont ils sont porteurs et je n'avais jamais imaginé comme étant un problème. Et en fait, si on se rend compte que l'insertion professionnelle des sportifs, parce qu'ils sont catalogués sportifs, parce qu'ils sont catalogués profil atypique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas un parcours comme les autres, eh bien, ça pose problème. Tout ce qui n'est pas dans la norme pose problème, finalement. Et contre toute attente, intégrer un sportif en entreprise, bah, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que ça demande, et de sa part, et de la part de l'entreprise, un certain nombre d'ajustements. Les cas de rejet du corps social d'un sportif de haut niveau sont nombreux. J'en croise très régulièrement des gens qui, au bout de un jour, deux semaines, trois mois, se disent « mais je pars, c'est pas possible, ce monde n'est pas fait pour moi, et en tout cas, il n'est pas prêt à m'accueillir et à me laisser et à me donner une place ». Alors pourquoi? Ben parce que ces sportifs-là, ils sont effectivement ce qu'on appelle des profils atypiques. Si c'est vous qui passez les stages, bien vous mettez les suivants, s'il vous plaît. Bien sûr, merci. Plaisir. Alors, encore après. Voilà, en quoi les sportifs sont donc des profils atypiques, comme on pourrait le dire, de personnes en situation de handicap? Il y a d'abord, c'est parce qu'ils ont des parcours de vie très différents. Ils vivent, de par leur entrée dans le monde du sport très jeune et tout le parcours qu'ils y connaissent, ils ont des parcours de vie qui sont très différents de ce que l'on connaît en général dans un jeune qui fait des études et qui va rentrer dans le monde de l'entreprise. Alors, j'ai listé là, plein de ces caractéristiques qui symbolisent leurs différences, mais il y a cet éloignement familial très jeune. Moi, je suis souvent intervenue dans des crèches ou des pôles France où les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont là, ils sont partis de chez eux à 12, 13 ans. Alors, quand on dit ça, ben, ça veut dire qu'il y a plein de choses. Hein. Ça veut dire une autonomie très jeune, ça veut dire une prise de responsabilité très jeune. Quand ils accèdent à des sports professionnels, à des performances précoces, eh bien, ils ont une autonomie financière très jeune, avec des fois des sommes gagnées qui dépassent ce que l'on peut jamais imaginer pour nous, le centre non sportif de haut niveau. Ils ont une expérience de la mobilité, des échanges interculturels, comme Olivier le disait tout à l'heure, qui sont extrêmement riches. Donc tout ça, ça fait d'eux des gens qui ont un parcours qui n'est pas comme les autres. Et l'enjeu pour eux, il est là aussi de transformer ce qui n'a pas été normal en atout et réussir à les montrer. Ils ont des parcours de formation qui sont très différents aussi. Malheureusement, pour beaucoup, c'est un gros sujet, mais les sportifs de haut niveau font des choix d'orientation par défaut. Voilà, tu es joueur dans un club professionnel, le club a un accord avec le staff qui l'accueille, qui accepte de leur faire quelques dispenses de présence, ou avec un BTS avec lequel on a un accord, donc tu vas plutôt aller là. Ton projet, c'était de faire de la chimie, bah, écoute, tu verras ça plus tard, mais chez nous, tu ne feras pas de la chimie, tu feras du sport. Bon, ok. Donc ils ont des parcours de formation avec des choix contraints, avec des fois des problématiques de conciliation entre le sport et les études qui font qu'ils vont des fois faire des parcours en 10 ans. Je viens de terminer un accompagnement avec un jeune qui a fait l'INSA en informatique. Voilà, il a été
volleyeur en équipe de France. Il a parcouru toute l'Europe et le monde avec l'équipe nationale. Mais pour concilier tout ça, il lui a fallu 10 ans d'études. Donc il arrive sur le marché à 30 ans, le marché du travail à 30 ans. Ça pose d'autres sujets. Ils ont en général peu d'expérience du monde de l'entreprise, trop peu d'expérience du monde de l'entreprise, parce que déjà faire des études en même temps faire du sport de haut niveau, c'est quand même pas simple. Il y a des écoles, des facs qui facilitent les choses et d'autres pas du tout. Cette directive du ministère qui enjoint le président de l'université à faire des efforts, c'est une incitation, il n'y a aucune obligation. Donc on a déjà des scandales absolus de jeunes qui suivent des formations dans des conditions qui sont totalement inacceptables au regard de ce qui est leur pratique sportive. Voilà, donc au niveau de leur parcours de formation, c'est quand même toujours, il peut y avoir des cassures, des changements d'orientation. Voilà, je suis dans un club, donc je fais STAPS, et puis je change de club, et lui, ils n'ont pas d'accord avec STAPS, ils ont accord avec un BTSMU, donc je vais partir faire un BTSMU, enfin c'est des fois du grand n'importe quoi. Donc quand ils arrivent là sur le marché du travail, ils ont des parcours qui sont très illisibles, en tout cas très difficiles à lire par des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que faire du sport de haut niveau. Et puis ensuite, ils ont des expériences professionnelles à l'intérieur de ce parcours qui sont hors normes également, qui va faire d'eux des experts dans ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui, ces compétences transférables. Ils ont connu, même s'ils n'ont pas eu le statut de sportif professionnel, la pratique sportive à très haut niveau demande des comportements professionnels, c'est-à-dire que c'est leur métier et toute leur vie tourne autour de leur pratique sportive. Ils ont une vigilance sur tous les facteurs de leur performance qui ne laisse place à aucun hasard. Donc ce sont des gens qui sont extrêmement rigoureux, extrêmement organisés, avec beaucoup d'autonomie. Ils ont, de par ces parcours, des expériences, une expérience de la pression qu'on n'imagine pas. Enfin, faire une finale de combat aux Jeux Olympiques, faire une compétition dans des stades où il y a 60-100 000 personnes, enfin, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Mais ce sont des expériences absolument hors normes. Ils ont un vécu du travail en équipe. Je dis équipe haute performance, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement on est 3-4 à travailler ensemble, c'est on est 3-4 ou 7 ou 10 à être ensemble, mobilisés pour l'atteinte d'un même objectif. On sait qu'on peut compter les uns sur les autres, qu'on a à côté de soi des gens aussi compétents que soi, qui mettent le même engagement à être au meilleur niveau. Ça, c'est ce qu'on appelle du travail en équipe haute performance. Dans l'entreprise, derrière, on n'a pas forcément toujours les mêmes façon de fonctionner. Hein. Bon, du multiculturalisme, on en a parlé, la gestion des enjeux, du risque, de la blessure, enfin un sportif qui revient de blessure, on en a tous les jours devant les yeux, hein, de ces grands champions qui se blessent. Revenir après une blessure, ça demande un engagement. C'est pas simplement aller passer 2 heures chez kiné, hein, ils se font des journées de 8-10 heures pour rester en forme sur ce qui est valide et revenir à leur meilleur niveau sur ce qui a été acquis. Bon, toutes ces expériences font, et tout ce parcours fait d'eux un profil atypique. Et lorsqu'ils arrivent en entreprise, eh bien, pour l'entreprise qui s'ouvre à ces profils-là, ça lui demande quasiment de faire politique d'inclusion, de décider d'être inclusif vis-à-vis de ce public-là aussi. Récemment, je faisais un bilan d'intégration dans une entreprise. Donc c'était sur ce volet-là dont je parlais tout à l'heure, j'ai diplômé de l'INSA en informatique, joueur en équipe de France pendant des années, parcours en international. On se dit normalement il coche toutes les cases, puis ça devrait bien se passer. Et lorsqu'on a fait le bilan, eh bien, son manager me dit, mais en fait, moi je ne voulais pas le recruter. Bon, quand même, là, tu exagères un peu. Non, je ne voulais pas le recruter. Oui, il avait le diplôme, oui. Un sportif, mais il n'avait aucune expérience en entreprise. Et moi, à 30 ans, quelqu'un qui n'a jamais bossé en entreprise, je n'y croyais pas. Il se trouve que c'était chez une entreprise partenaire avec qui on travaille sur des programmes d'insertion professionnelle. Et donc, les deux patrons m'ont dit, mais si, allez, fais un effort, essaye quand même. Bon, il a fini par céder, c'est lui-même qui le dit. Et quand on fait le débriefing d'un an après le recrutement
de Zwanegger qui nous dit, ok, je me trompais, c'était une erreur. Je reconnais aujourd'hui que c'était une grave erreur de ma part de ne pas m'ouvrir à cette différence, à ce parcours atypique, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le démarrage de la famille qui trouve ses marques, mais en termes de croissance aujourd'hui, il a connu un développement totalement exponentiel par rapport aux autres salariés. Et donc, bien évidemment, j'ai compris quelque chose là. C'est tout ce qu'on ne fera pas. Tout ce que je décris là, le sportif, malheureusement, ne sait pas forcément toujours le valoriser. Et c'est quelque chose qu'il doit apprendre à faire s'il veut réussir son insertion professionnelle. Je vous invite à aller sur la suivante, merci. J'ai voulu vous mettre ici quelques-uns de ces soft skills dont on parle lorsqu'on parle de ces compétences transférables que les sportifs peuvent faire valoir en entreprise. C'est un référentiel sur un dispositif qu'on a créé qui s'appelle Sport Compétences, qui permet aux sportifs de se positionner sur ces compétences. Toutes ces compétences, en fait, ce référentiel, je l'ai construit sur la base des compétences que les sportifs développent dans leur pratique sportive et des compétences que les entreprises cherchent à recruter. Il y en a beaucoup plus que ça, hein, mais là, j'ai pris quelques-unes qui étaient à l'intersection de ces deux attentes, de ces deux potentiels, et on les fait travailler sur ces compétences pour leur permettre de s'approprier ces compétences et de voir comment ils vont pouvoir les transférer au monde de l'entreprise. Très souvent, le sportif, quand il arrête sa carrière, il jette son sac de sport au fond du garage en disant « voilà, ça c'était ma vie d'avant, c'est fini », et il ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Et nous, le travail qu'on fait avec eux, c'est justement d'aller voir ce qu'il y a dans le sac de sport. Il y a des vieilles chaussures, des vieilles lumières, mais il y a aussi tout un tas de compétences qu'on a pu y développer. Mais ça, le sportif, il ne le sait pas. Lui, quand je repense à une skieuse qui faisait de la descente et elle me disait « oui, ben, je pense que je sais à peu près gérer mon stress ». Bon, la descente, on descend à 120 km/h, une piste avec un casque et un collant pour toute protection. Hein. Donc oui, je pense qu'elle avait une certaine expérience de la gestion du stress. Mais pour elle, la gestion du stress, c'était juste pour garder ses nerfs, pour faire une descente. Elle ne voyait pas en quoi ça pouvait lui être utile de savoir gérer son stress pour faire une descente, une fois qu'elle serait dans l'entreprise. Et c'est tout ce travail-là que le sportif doit faire pour se dire que ce qu'il a appris à faire dans le monde du sport a du sens et va lui servir dans le monde de l'entreprise. On parlait tout à l'heure de Kevin Mayer, qui a fait cet exercice-là. Donc Kevin Mayer, le décathlonien, vous devez connaître, j'espère. Il a fait cet exercice-là. Alors vous voyez, il y a des compétences de management de soi, des compétences relationnelles, des compétences opérationnelles. Quand il a fait cet exercice, il en a choisi trois. Et parmi celles-là, il y en a une dont il m'a dit, bah, écoute, oui, moi je pense que si je suis au niveau auquel je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai cette compétence-là. Est-ce que quelqu'un a une idée de la compétence qu'il a particulièrement mobilisée pour être au niveau de performance où il est aujourd'hui? Une idée? Moi j'en ai peut-être une. Je me lance. Être autonome et s'auto-développer. Oui, alors ça correspond tout à fait au profil. Non, la compétence qui m'a indiquée comme étant probablement celle qui le fait réussir, c'est la compétence d'analyser et synthétiser l'information. C'est-à-dire que pour lui, s'entraîner sur 10 disciplines et gérer son temps et gérer son effort et gérer sa prépa musculaire, ça demande d'analyser en transversalité les 10 disciplines en question pour être toujours dans un juste milieu, dans un compromis, dans des gestes qui ne sont pas trop antagonistes, dans des préparations physiques qui ne sont pas trop contradictoires. Et donc, il passe des heures et des heures et des heures à analyser et synthétiser l'information pour en définir son programme. Toutes ces compétences-là, j'ai posé la colle à plusieurs DRH, il n'y en a jamais un qui l'a trouvé. On voit ses capacités de communication, effectivement d'autonomie, de résilience, d'agilité, mais cette capacité à analyser et synthétiser l'information, on ne la voit pas. Et à travers cet exemple, ce que je veux vous montrer, c'est que pour accéder à la richesse de ces parcours de sportifs et à se dire que ça vaut le coup de les intégrer en entreprise, c'est vraiment d'aller chercher
Ce que j'appelle le travail réel, Mijovert a formalisé ça en distinguant le travail décrit, prescrit du travail décrit du travail réel. Le travail prescrit, c'est la fiche de poste, le travail décrit, c'est ce que j'en dis, puis le travail réel, c'est ce que je fais en vrai. Eh bien, si on veut accéder à cette richesse-là des parcours et à la richesse de toutes ces compétences que les sportifs développent, il faut aller gratouiller sur la réalité de leur métier et en identifier les compétences dont ils vont pouvoir se servir pour la suite. Et c'est en traduisant pour eux-mêmes ces compétences-là qu'ils vont être à même de dire ben voilà, j'ai fait du sport pendant 10 ans, 20 ans. On a malheureusement plein de contre-exemples de gens qui se sont retrouvés, des grands champions qui se sont retrouvés à la porte de l'entreprise. On a Emilian Deum qui avait fait un peu le buzz sur, après sa médaille olympique, qui s'était retrouvé au RSA et qui avait dit je regrette d'être championne olympique parce que. Avec sa médaille autour du cou, elle était les droits des entreprises en disant « Je suis championne olympique quand même, ça veut dire que je sais faire des choses. » Ouais, mais si tu dis pas quoi ces choses-là, le MDRH, il voit une nana en kimono qui a une médaille olympique. Fabien Gillot, je lisais un article dans l'équipe la semaine dernière, qui disait, le nageur, qui disait, ben, lorsque j'allais essayer de me faire recruter, je me disais « Mais qu'est-ce qu'on peut faire de toi ? Enfin, il n'y a pas besoin d'un nageur en entreprise. » Ce problème d'exclusion des sportifs, qui nous ramène à la nécessité d'inclusion, c'est qu'on voit très souvent le sportif d'une façon un peu négative, péjorative, un peu condescendante, en se disant que s'il a fait du sport, c'est qu'il ne devait pas être capable de faire des études. On est quand même dans une culture qui se rapproche de ça. Et s'il n'était pas capable de faire des études, ben, c'est pas maintenant, à 30 ans, alors qu'il n'en a pas fait, qu'on va pouvoir en faire quelque chose. Cet a priori-là, ce cliché-là, est quand même extrêmement répandu dans un pays où c'est le diplôme qui compte. Le problème, c'est que même lorsqu'on a le diplôme, ça passe pas mal. Il y a toujours un truc qui ne va pas, et les algorithmes qui sélectionnent les CV ne savent pas bien aller dans le travail réel pour aller voir de quoi est fait un parcours de sportif. Mais ça va évoluer s'il y a des futurs sportifs de haut niveau dans la salle qui ne désespèrent pas en quelques années après la fin de leur carrière, les choses se passeront sûrement mieux. Écoutez, ça fait 20 ans que j'y suis, hein. Ça fait 20 ans que j'y suis. Alors là, on a la chance d'avoir une crise de l'emploi qui fait qu'on est en train de regarder les sportifs en disant bon, on a tout essayé, on va quand même aller voir si on peut faire quelque chose. Mais c'est quand même un petit peu faute de mieux, ou alors c'est en se disant, ouais, alors Kevin Mayer, là, moi je le prends dans mon équipe de communication, hein, parce qu'avec sa gueule, ben, ça va passer partout. Jonathan Robert, ben, un champion de voix, qui me dit, moi on me recrute pour mon réseau, on me recrute pour faire du commercial, mais moi j'ai pas envie de faire ça. C'est-à-dire que parmi ces clichés, quand on leur prête quand même quelques atouts, on se dit, ouais, c'est des gens qui ont une telle capacité relationnelle, ils sont tellement connus qu'ils vont rapporter des clients. T'es sportif, donc tu vas faire commercial. En gros, c'est quand même ça qui est bien, quoi. Voilà. Donc, pour finir rapidement, simplement dire que intégrer des profils atypiques, ça pourrait s'adresser à tout le monde. Parce qu'on est tous, finalement, quelque part un petit peu atypiques, on n'est pas. Dans des mêmes difficultés d'inclusion que certains profils très atypiques. Mais pour une entreprise, donc je disais, le sportif, il doit faire attention à la façon dont il raconte son parcours sportif pour en faire émerger autre chose que la médaille, mais aller traduire cette médaille dans toutes ces compétences qu'on a développées. Mais l'entreprise aussi, elle a un petit boulot à faire pour aller chercher justement la plus-value de ce profil atypique. Donc très rapidement, c'est comprendre d'où il vient, parce qu'un sportif, quand il arrive dans une entreprise, quand il a été... J'ai un gardien de but de hockey qui me raconte sa première expérience professionnelle, il me dit « je comprends pas, quand je suis arrivé dans le bureau la première fois, les gens ils m'ont pas fait la hola. » Moi, d'habitude, quand j'arrive dans une salle, on fait la hola, quoi. Bon, ben là, non, ça marche plus. Mais oui, parce qu'il y a quand même un choc de culture qui est pas neutre. Il faut le savoir qu'on a en face de nous une star dans sa discipline. Parce que la star, quand elle redescend sur Terre, ben, il faut l'aider un petit peu à atterrir. C'est normal, c'est légitime qu'elle se sente un petit peu en décalage.
Donc voilà, aller comprendre tout ce qu'il a vécu. Il aura pu vécu, peut-être vivre des choses extrêmement difficiles, douloureuses, des blessures, donc il faut qu'il revienne de tout ça. Il aura pu vivre aussi des managements un petit peu particuliers. Il faut qu'il se déconnecte de ce qu'il a connu dans sa vie d'avant pour se reconnecter à ce qui va se passer dans l'entreprise. Bon, bref, il faut aller chercher tout ça. Il faut l'aider à planifier l'avenir parce que le sportif, il n'a qu'une envie, c'est toujours être le meilleur, le plus fort, aller le plus vite. Moi, régulièrement, quand j'ai des sportifs qui prennent des études, dès qu'ils réussissent leur premier examen, ils m'appellent en disant « je suis majeur de ma pro ». Écoutez, on ne te demandait pas ça, on te demandait juste de réussir. Mais non, c'est plus fort. Et donc, il a toujours une inquiétude quand il n'a pas de repères, des repères dans l'entreprise, il a toujours l'inquiétude de ne pas être au niveau. Donc il faut l'aider à se projeter et à lui dire voilà, dans 3 mois tu seras là, ça sera très bien. Parce que lui, si on ne lui dit pas ça, il voudra y être demain là. Donc il faut lui planifier l'avenir, il faut lui expliquer comment on va l'aider à progresser. L'apprentissage pour un sportif, ça fait partie du quotidien. Il n'a pas été à l'école longtemps, peut-être, parfois, mais apprendre, c'est ce qu'il fait tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et je viens de débriefer hein, un jour l'équipe de France de rugby, de son retour du. Des destinations, hein, il me dit, on a la tête farcie comme ça. Tous les jours, on bosse sur des analyses vidéo, sur des statistiques, on apprend le financement de jeu. Ils apprennent en permanence, les sportifs, ils ont une capacité à apprendre qu'on ne leur prête pas suffisamment souvent, parce qu'à partir du moment où ils ont cette capacité à apprendre, s'ils n'ont pas le diplôme, c'est pas grave. Ils vont pouvoir la passer la formation qui sera nécessaire, si elle est vraiment nécessaire pour le métier. Voilà, donc l'aider à se projeter et puis libérer le présent. Et libérer le présent, ça veut dire être présent auprès de lui, ça veut dire organiser son intégration, ça veut dire faire des points réguliers. Il faut se souvenir que le sportif a évolué au niveau. Il a un entraîneur du bras droit, un entraîneur du bras gauche, quelqu'un qui surveille son poids, sa glycémie, sa température corporelle, ce qu'il a mangé à midi, hier. Il a des feedbacks en permanence. Dans l'entreprise, on lui dit, écoute, bien, et puis on fait un petit, de toute façon, t'inquiète pas, on a des entretiens annuels. On fera point dans un an. Il part en courant, c'est pas. Lui, il a besoin d'avoir des retours, et les retours, il les vit pas mal, contrairement à des gens qui sont moins habitués à ça. Le retour, t'as été bon, t'as été pas bon, j'ai été bon, comment je peux être mieux, j'ai pas été bon, sur quoi je dois travailler. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des choses dont il a besoin. Pour donner sa pleine mesure et faire, comme je le disais tout à l'heure, avoir un développement exponentiel. Et là, on ne regrette pas d'avoir recruté ce profil atypique. Bien, merci, Véronique Barré. Encore une intervention en pleine passion, vous l'avez entendu. Alors, ce n'est pas prévu, Francis Canin, je vais me tourner vers vous. Je vais vous demander si ce que vous avez entendu ce soir, la dernière intervention sur l'inclusion des sportifs dans le monde professionnel, ou sur les premières interventions, si par rapport à votre mission en tant que vice-président du conseil départemental du Loiret en charge des sports, ça évoque des choses pour vous, des choses qui sont déjà mises en place, des choses qui pourraient l'être. Merci. Merci. Oui, effectivement. Alors tout d'abord, merci au SUERS d'avoir organisé cette conférence dans le cadre de la semaine olympique et paralympique. Très très intéressant les 3 témoignages, merci beaucoup. Alors oui, le département du Loiret se retrouve hein, dans les 3 témoignages puisque le président a souhaité sur ce mandat intégrer le sport au sein d'une commission qui s'appelle Handicap, Inclusion, Bien vieillir, Logement et Sport. Donc, c'est montrer tout l'intérêt que porte le département du Loiret à travers cette politique sportive, justement, de cette notion d'inclusion par le sport. Alors, l'inclusion par le sport, ça a été cité par les 3 intervenants, c'est bien sûr les personnes en situation de handicap, ça peut être le public féminin, ça peut être les personnes âgées également. Et donc, il y a une vraie volonté au sein du département eh bien, de faire du sport un outil d'inclusion. Le département du Loiret est particulièrement mobilisé également sur tout ce qui est le sport de haut niveau, avec la mise en place d'un programme qui a été initié d'ailleurs en 2019 par Gérard Malgaud, qui est à mes côtés ce soir. Un programme qui s'appelle Team Loiret,
et qui regroupe des athlètes de haut niveau en devenir, et notamment des athlètes qui pourraient représenter la France au JOP 2024. Donc ce programme regroupe 45 athlètes de haut niveau, athlètes olympiques et paralympiques. Et donc nous sommes particulièrement fiers de ce programme, puisque nous accompagnons les sportifs. Comme l'a rappelé Madame Barré, c'est très difficile pour les sportifs de haut niveau de pouvoir se projeter professionnellement. Donc nous, on les accompagne, alors modestement, mais à notre niveau, on essaie de les accompagner financièrement, mais aussi de les accompagner dans différentes démarches, que ce soit des démarches professionnelles, mais aussi des démarches citoyennes, lorsque l'athlète signe une convention avec le département au titre de ce programme Team Loiret, lorsque nous avons une manifestation, qu'elle soit en direction des collèges ou en direction des entreprises, nous sollicitons à des athlètes de cette Team Loiret pour représenter le département. Donc c'est un peu l'ambassadeur du département, permettre un de promouvoir son activité, mais aussi de parler de son histoire, et puis peut-être de l'aider à envisager une reconversion, parce que c'est souvent une grande difficulté pour un athlète de haut niveau, c'est l'après-carrière. Donc la présentation de Véronique Barré dans ce sens-là est très très intéressante. Voilà ce que je voulais dire sur ce que je pourrais dire sur le département du Loiret et sa politique en matière de sport et d'inclusion. Et si vous avez des questions, bien entendu, il faut rester quelques minutes pour y répondre. Merci Francis Cabin. Alors je me tourne vers Véronique Barret avant de revenir vers la salle, bien évidemment. Vous intervenez auprès de sportifs. Est-ce que des collectivités, comme des départements, des régions, font appel à vous? Oui, tout à fait. On a de plus en plus, avec la dynamique apportée par les Jeux à Paris, il y a effectivement plein de collectivités qui membrent des équipes de sportifs. Malheureusement, le plus souvent, c'est quand même la vocation est quand même essentiellement d'aider le sportif à performer et lui donner les moyens de performer. Les CIP, les conventions d'insertion professionnelle, existent, mais on leur préfère quand même régulièrement les mécénats, les contrats d'image qui permettent de laisser le temps aux sportifs de préparer les échéances sportives et moins l'après. Les véritables insertions professionnelles qui sont anticipées avant dans le cadre de ces missions, dans le cadre de ces teams, c'est assez rare, mais ça existe. Je parlais tout à l'heure d'Amina Zidani, qui est un team Veolia, où les sportifs ont un contrat de travail, où certains travaillent quasiment en faisant des détachements, en faisant des allègements, bien évidemment, mais en tout cas, c'est l'après-carrière qui est préparée pendant. Et ce dont on s'aperçoit pour ces sportifs-là, c'est que ça les aide à performer. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, ou à certaines idées. Préfabriqué là aussi, où on dit surtout il ne faut pas qu'ils fassent d'autre chose que le sport pour performer, ben on se rend compte qu'il y en a qui ont besoin de faire autre chose que du sport pour performer. Alors ces teams-là, voilà, il y en a qui ont à cœur aussi de travailler sur l'après. Je travaille par exemple avec la FDJ aussi, qui a 52 athlètes dans son team. La question d'après, elle est posée avec chacun d'entre eux. Tous, à un moment donné, quand ils veulent s'interroger sur le sujet, peuvent le faire. Et mettre en place des programmes de formation, de réflexion sur l'après. En tout cas, quand je suis sollicitée par les collectivités, c'est pour mettre ça dans l'activité du team, proposer, aider à réfléchir, parce que voilà, 45 sportifs dans le team 1, ils ne sont pas tous sélectionnés. Et donc cela, qu'est-ce qui se passe après, au-delà de la terrible frustration qu'il y a à ne pas être sélectionné, ils viennent quoi après? Merci. Donc, le double projet, effectivement, c'est tout à fait pertinent, ça rebond. On est un peu moins bien physiquement, il y a une blessure, il y a une baisse de performance. On a, pour garder quelque chose sur le mètre s'accrocher, les études, la formation, la future insertion professionnelle, ça ne peut que faciliter le retour à un niveau. Thierry Gauthier.
Oui, je voulais juste, moi, dans le même sens, en changeant de casquette, c'est-à-dire celle que j'avais, que j'ai eue pendant 16 ans, celle de responsable du haut niveau au sein du CREPS, ce centre-là de Nord, où j'ai été confronté au quotidien à ces problématiques. Et juste pour aller dans le sens de Véronique, et notamment son début d'intervention autour des enseignants du monde universitaire, des mondes de l'enseignement et de la place du sport de haut niveau, juste pour vous donner une réflexion qui m'a été faite, moi, il y a quelques années par une enseignante, je ne sais plus de quelle discipline, qui m'a clairement dit, vous savez, pour moi, le sport de haut niveau, c'est de la science-fiction. Voilà. Donc derrière, ça voulait dire ce que ça voulait dire, c'est-à-dire que on est loin de tout ça, les enseignants, nombre d'enseignants sont loin de tout ça, nombre d'entreprises sont loin de tout ça. C'est très compliqué non pas pour les intégrer, mais c'est très compliqué à comprendre. C'est pour ça qu'elle utilisait ce terme de science-fiction, c'est-à-dire que le sport de haut niveau, elle ne le comprenait pas. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne comprennent pas le sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, c'est ce qu'on voit à la télévision, c'est beau, c'est joli. Mais derrière tout le travail, tous les sacrifices qui sont, les 10 ans de travail pour une médaille olympique, personne ne les conçoit. Et surtout, ce que vous disiez à la fin, c'est « et ceux qui ne réussissent pas ?» Et ceux qui sont engagés dans un dispositif de haut niveau et qui ne réussissent pas. On est dans un amphithéâtre, et pendant 16 ans, je suis intervenu au CREPS à chaque rentrée scolaire, avec tous les sportifs de haut niveau, 100 et quelques, en leur disant il y en a 2% parmi vous qui iront à très haut niveau. Donc pensez à autre chose dès maintenant. Dès maintenant. Et c'est difficile, à la fois pour les jeunes, à la fois pour les familles. Et c'est aussi difficile de dire qu'à un moment donné, ce qu'on va faire pendant des années, ça peut-être ne pas nous servir, mais surtout ne pas être compris par les entreprises, par les gens qui sont autour de nous et qui devraient nous accompagner. Et c'est toute la difficulté. Et la difficulté du sportif de niveau, quand il cherche à s'inclure dans une entreprise, c'est un peu comme s'il arrivait sur une autre planète, lui aussi, il ne sait pas, il ne comprend pas, qu'il n'a pas les codes, et surtout qu'on ne comprend pas. Donc c'est un extraterrestre qui arrive sur une autre planète. Mais pour lui, qu'il arrive néanmoins à s'inclure. C'était pas prévu, mais j'ai tourné vers Marc Dubois, qui a pris nouvellement, il y a quelques semaines, la présidence du CREPS de Bourges, alors qu'il n'y a pas de question piège. Et il est auparavant chef d'établissement, notamment l'établissement qui n'est pas loin d'ici, au lycée Charpigny, où il y a eu un pôle national, pour l'espoir maintenant, des sections sportives. Est-ce que dans les missions que vous êtes en train de découvrir dans le cadre de cette direction du CREPS de Bourges, ces choses-là, vous avez l'impression qu'elles sont déjà présentes au CREPS, qu'elles pourraient l'être? Est-ce que les discussions de ce soir vous amèneront peut-être à avoir un autre regard sur cette partie de vos missions? Je pense que Thierry aussi vient d'évoquer ce lien, l'accueil du sportif de haut niveau dans un établissement tel que le CREPS. Effectivement, c'est toujours la difficulté entre la passion et la réalité. Il faut ramener aussi, il faut garder les pieds sur terre à un moment donné. C'est tout le travail du coordonnateur au sein du CREPS d'accompagner ce double projet, de passer à la suite. Effectivement, le lien avec l'entreprise est peut-être à développer dans le parcours. On a l'habitude d'avoir le parcours, le projet scolaire, etc., effectivement, le lien avec l'entreprise, à la fois faire en sorte que les deux se comprennent. Le projet, évidemment, peut-être 18%, pour au plus vite le monde de l'entreprise que le sport de très haut niveau. C'est important de travailler en amont. L'expérience est que le lycée, c'est une continuité aussi, ça permet de faire le lien entre le parcours qui était quasiment que pédagogique, et là, l'associer au sportif, avoir cette sensibilité. C'est là d'apporter aux équipes pour le meilleur pour les gens. Eh bien, merci Marc-Dubois, et puis bonne chance, bon courage pour toutes les missions nouvelles que vous découvrez actuellement. Dans la salle, ça nous paraît peut-être loin, ça n'a plus un rang professionnel. Ceci dit, lorsqu'on sort de staff, même si on n'est pas sportif de niveau, généralement, on s'insère assez bien. Donc l'inclusion pour vous, ça devrait être possible pour chacun, chacune d'entre vous. Quelle réflexion ça déclenche pour vous dans la salle, les jeunes, les étudiants, les sportifs, les sportives? Il y en a forcément. Or, ne dites pas que votre capacité d'attention a déjà fondu, je n'y croirais pas. Vous êtes jeune, dynamique, en pleine forme. À vous récupérer le quête sportif que vous avez eu, c'est bien ça. Personne? Alors je reviens vers nos intervenants.
Olivier avait peut-être souhaité intervenir tout à l'heure. C'était pour revenir sur ce que disait Thierry par rapport à ce qui est visible et ce qui est invisible. Effectivement, quand vous voyez le résultat d'un match le samedi à 22h sur Internet et que l'équipe a gagné ou que l'équipe a perdu, si vous avez assisté au match dans les tribunes, vous voyez le résultat de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Et pour l'instant, il y a encore un grand différentiel entre ce que les gens voient et ce que les gens savent de ce qui se passe dans la semaine. Entre le nombre d'heures d'entraînement, le nombre d'heures d'apprentissage, de statistiques, de vidéos, de soins de récupération, d'entraînement physique, tout ce qui est demandé et toutes les exigences qui sont imposées aux athlètes et aux joueuses dans un sport collectif, dans un sport individuel. Toutes ces choses-là, les gens ne les imaginent pas parce que l'image que l'on a aujourd'hui, c'est juste l'image de ce que l'on voit à la télé, du résultat positif ou du résultat négatif. On fait devenir un athlète le plus beau, le plus grand en 5 minutes et on le détruit en 3 minutes 30. On dit qu'on gagne la confiance en millions de temps de travail et qu'on la perd en 3 secondes en ayant dépensé des litres et des litres de sueur. C'est très facile de monter quelqu'un au 7e ciel, mais de le descendre très très bas, on le voit tous les jours dans tous les sports, malheureusement. Et on ne voit pas tout ce qui est fait en amont de ce résultat, tout ce qui se passe avant pour les athlètes. La deuxième chose, c'est que j'ai la chance de participer à des ateliers du coaching où je rencontre tous les ans des gens qui sont issus, comme moi, de clubs professionnels dans le rugby, dans le basket, uniquement des sports pro collectifs, les football, les footballs, mais aussi des membres de l'entreprise. Et quand on met toutes ces personnes dans une même salle, on passe une journée à travailler sur des thèmes principaux et à la fin de la journée, on se rend compte qu'on parle le même langage. On parle d'objectifs, on parle de résultats, on parle de travail d'équipe. Et au début de la matinée, on se présente, on dit ben voilà, moi je suis entraîneur de volleyball, je gère 12 athlètes, 13 athlètes, 14 athlètes, je gère un staff de 4-5 personnes. Je gère un comité directeur avec qui j'ai des relations. Et puis à côté de nous, on a une dame qui arrive et qui dit ben, moi je suis responsable à la France et j'ai une équipe de 600 personnes. Ah ouais, 600. Et puis moi je suis responsable aux hôpitaux de France. Puis moi je suis responsable dans une entreprise de BTP, je gère. Mais par contre, quand on travaille sur des thèmes, on est tous à la fin de la journée en train de se dire mais en fait, vous avez les mêmes problématiques que moi dans mon entreprise, vous entraîneur, vous avez les mêmes problématiques que moi dans mon équipe. Et c'est très intéressant de mélanger ça. Et beaucoup de ces personnes ont tendance à aller justement à avoir ce regard sur notre personnalité, notre vécu d'entraîneur, parce que eux, de temps en temps, ils disent mais vous gérez Dan Carter, le nouveau joueur qui vient d'arriver, qui gagne des millions, qui est champion du monde All Black, et ça doit être infernal de gérer une star comme ça. Et en fait, c'est ceux qui posent le moins de problèmes. C'est celui qui va passer devant le kiné qui porte 2 tables de massage et qui va prendre la table de kiné du masseur et qui va la porter. Alors que peut-être 20 personnes seront passées à côté. Et c'est ces stars-là que l'on idéalise et que l'on porte au nu qui sont peut-être les plus responsables et responsabilisés parce que, justement, ils ont développé toutes les compétences que Véronique travaille. Avec Véronique, on a travaillé il y a quelques années à Évreux sur un projet de faire comprendre aux athlètes qu'elles développaient des compétences. On a présenté le travail et les athlètes se sont présentées elles-mêmes devant un parterre de personnalité, du monde de l'entreprise. Et les joueuses parlaient de « voilà, moi je suis passeuse, voici ce que je développe ». Mais ça a été un travail de longue haleine pour développer ce qu'elles étaient capables de dire, parce que pour dire « moi je ne sais pas faire, je ne sais faire que du volleyball » ou « je suis bonne quelque part », c'est compliqué par rapport à son estime de soi. Et à la fin de la réunion, il y a 3 chefs d'entreprise qui sont venus nous voir, mais cette personne-là, je la veux dans mon entreprise, cette personne-là, je la veux à la poste, cette personne-là, je la veux dans mon équipe de management. Parce qu'elles ont développé des compétences uniquement liées par leur activité sportive, qui sont tout à fait transférables à l'activité professionnelle. Et bien, merci Olivier. Véronique, Marie, est-ce que tu as rajouté quelque chose? Oui, parce qu'on
qu'on parle de l'inclusion des sportifs de haut niveau, il y a aussi des sportifs de haut niveau en e-sport. Et pour cela, en fait, et c'est une question que je m'étais posée quand j'ai fait le documentaire, est-ce que je fais une thématique particulière sur l'insertion professionnelle des sportifs en situation de handicap? Et à la fois, ça aurait demandé d'y passer un vrai sujet, mais en fait, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une problématique spécifique pour les sportifs de haut niveau en situation de handicap, parce que ce qu'ils font est tellement incroyable, est tellement surhumain, est tellement, on se dit, mais avec ce handicap, ils réussissent à faire ça, que eux, je dirais, paradoxalement, c'est peut-être ceux qui ont une ouverture la plus large et la plus bienveillante de la part du monde de l'entreprise, parce qu'on dit, ah ouais, quand même, et en plus, s'ils ont fait, enfin, voilà, s'ils en sont là, s'ils ont fait ça, c'est que ça a quand même des gens qui ont des choses à dire. Donc, il n'y a pas forcément de problématique liée à la situation de handicap pour les sportifs de haut niveau. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu réellement comme ça. Alors là, on parle de l'handisport, c'est-à-dire de personnes qui ont un handicap moteur, et pour le sport adapté, pour un handicap cognitif. Voilà, c'est pour eux comme pour les autres personnes en situation de handicap cognitif. Là, pour eux, c'est aussi compliqué, je crois. Très bien, merci. Alors, Véronique Barret va revenir sur la... Pardon, il y a une question de Jean-Paul Elizondo. L'intervention, c'est que je pense qu'il ne faut pas se penser qu'il n'y a que du côté des entreprises qu'il faut prendre conscience de ce que c'est que ce sport de haut niveau. Et tous ici, vous êtes soit animateurs, soit initiateurs, soit entraîneurs. Il faut vraiment que tout le monde prenne conscience, que vous preniez tous conscience que le sport en lui-même n'a pas forcément des bonnes valeurs. Il n'a des bonnes valeurs que si l'éducateur, l'entraîneur, à une pédagogie et un respect de la personne qui va entraîner. Donc c'est en ayant conscience de cela que l'on peut dire que quelqu'un qui va vers le bon niveau ou le très bon niveau, peut-être qu'il n'a rien développé qui va pouvoir être transférable et intéressant. Parce qu'il aura eu un parcours qui aura été guidé par un entraîneur qui n'a pas conscience qu'il a une importance très importante dans son parcours. Donc il faut vraiment que chacun d'entre nous, on puisse dire, nous avons vraiment une grande, grande importance sur ce que l'on peut faire aider à devenir des sportifs, et donc, ayant conscience de ça, on va pouvoir plus facilement les accompagner dans leur après-carrière, on va pouvoir plus facilement, dans leur carrière, leur faire développer des compétences qui seront transférables pour leur vie future. Si on n'a pas conscience de ça, tous, bah finalement, on fait partie de ceux qui ne les aideront pas à pouvoir correctement s'impliquer ensuite dans la vie future. Je suis partiellement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, le rôle de l'entraîneur est fondamental, et plus vous allez réussir à nommer ces compétences-là, plus le sportif va pouvoir se les approprier, et votre responsabilité et le rôle que vous pouvez jouer là-dessus est fondamental. Par contre, moi, ça fait 20 ans que j'accompagne les sportifs, il n'y a pas une fois où entraîneur ou pas entraîneur, où je me suis dit, hein, mais lui, il n'y a rien à tirer. Il n'y a pas une fois. Donc il est connu, bon, en plus heureusement dans un parcours on n'a pas un seul entraîneur, donc il y a toujours quand même un qui va faire le job, mais la pratique sportive, donc la personne y met cœur et âme, corps et âme pendant toutes ces années, à partir du moment où il comprend comment ces choses-là sont identiques et se ressemblent entre la compétence qu'il a mis en œuvre dans le sport et ce qu'il va mettre en place dans l'entreprise, à partir du moment où il arrive à décoder ça, ils ont tous, enfin, vraiment, j'en ai accompagné quand même un certain nombre de sportifs. Il n'y en a pas un ou une fois, je me suis dit, oh, lui, on va rien faire. Vraiment, vraiment. Il faut rater peut-être des fois plus que d'autres, mais il y a toujours des histoires Je pense à un sportif qui n'avait pas eu une grande carrière parce qu'il était blessé, c'était un très grand, c'était là aussi encore un volleyeur, il faisait 2m12, c'était un mon plus grand. Il n'a jamais rien fait de sa carrière parce qu'il se blessait à chaque fois. À l'époque, la préparation physique n'était pas ce qu'elle était, donc dès qu'il commençait à performer, il se cassait. Donc il n'a pas fait une grande carrière. Il touchait du doigt l'équipe nationale et puis ça lui sortait quelque chose. Bon. Il n'a rien fait, mais par contre, cette volonté de toujours revenir après à son meilleur niveau, après une blessure, et les mois de récupération tout seul à bosser pour revenir, on a construit sa carrière professionnelle sur cette persévérance, sur cette capacité à retourner au charbon, même quand ça ne va pas. Il y a toujours quelque chose dans un vécu de sportif dont on va pouvoir s'inspirer, tirer ce bout de fil-là pour lui montrer qu'il a des atouts à remobiliser pour l'après. Donc les atouts sont là, ça va les trouver.
les mettre en valeur pour pouvoir aller vers une insertion professionnelle, une inclusion. Merci Véronique Barré. Je me permets de rappeler que vous êtes autrice, hein, un écrit Le sport des médailles après, vous avez les références ici. Autrice et co-réalisatrice du documentaire et la série documentaire, un autre épisode Le sport des médailles après. Donc on pourra retrouver ces choses-là si on a envie de regarder. Alors, ça a même titre parce que j'ai trouvé ça plus facile, hein, j'en avais un, donc autant l'utiliser. Mais ce n'est pas le même sujet, c'est-à-dire que l'ouvrage, c'est justement un décryptage d'une dizaine de disciplines sur ben, quand je fais du volley, je ne fais pas du patinage artistique, ou je ne fais pas de la gym, ou je ne fais pas du vélo. Chaque discipline, dans chaque discipline, le sens de chaque discipline est singulier, et le fait de pratiquer une discipline dit beaucoup de choses, et même dans mon poste de jeu, moi j'étais passeuse, mais je n'ai pas développé les mêmes compétences qu'une attaquante ou un libéro. Et quand on fait du rugby, on est dans une équipe de 50 bronzeurs. Quand on fait du couple, en patinage, on est deux à deux. Enfin voilà. Donc le livre là, c'est regardons les disciplines pour ce qu'elles développent de compétences spécifiques et dans les sports d'équipe sur les postes de jeu. Le film, lui, c'est plutôt ce qu'on disait tout à l'heure, regarder ce que c'est que vraiment faire du sport et où pouvons-nous à cette population, en restant de la regarder comme des idiots qui ne savent rien faire que taper ou sauter dans un ballon ou sauter. Ils ont bien plus que ça. Donc c'est plus une sensibilisation à ce que c'est qu'un parcours de sportif de haut niveau, ce que c'est que la fin de carrière, ce que ça représente pour un sportif de haut niveau. Parce que là, dans un ballon, c'était pas le lieu ce soir, mais c'est des moments quand même qui sont assez traumatisants, enfin qui peuvent l'être. Et donc c'est une sensibilisation, regardez que vous avez des sportifs autour de vous, regardez ce que ça veut dire que vous êtes sportif, et regardez autrement que comme quelqu'un qui ne fait que travailler son corps, il a forcément beaucoup travaillé son esprit pour être au niveau de la. Merci pour toutes ces précisions, Véronique Barré. Pas pour applaudir. Alors, on va remercier non pas seulement Véronique Barré, on va associer des applaudissements pour Olivier Larguier. Pierre Gauthier. On est heureux également d'avoir eu parmi nous, et on va les applaudir, Aline et Laura qui font un travail. Et puis, on n'oublie pas qu'il y aura un verre de l'amitié ensuite qui nous permettra de retrouver, d'échanger plus librement celles et ceux qui n'ont peut-être pas osé poser la question qu'ils ont encore en réserve pour en faire peut-être plus directement tout à l'heure. Merci à vous tous et toutes pour votre attention. Merci aux organisateurs, Nicolas Cheval et Olivier Pignon, qu'on peut y avoir appelé, oui. Et quand vous nous avez rappelé, vous avez vu à la télévision un sportif, ça m'a rappelé la triple excellence qu'on met en avant à la Fédération française du sport universitaire, l'excellence académique qu'on a vu avec les jeunes femmes, l'excellence sportive et l'engagement. Le deuxième point, c'est une invitation. Je vous ai lancé une invitation, et Olivier Lardier va bien comprendre. Demain, dès ce soir, les jeunes gens arrivent à Orléans. Demain, mercredi et jeudi, je veux dire, il y aura à Orléans le championnat de France universitaire de volley des grandes écoles. Et j'invite tous ceux qui sont dans la salle à traverser la rue pour aller à la source au complexe sportif où il y aura les remises de médailles de l'après-midi, mais aussi des finales. Et puis un troisième point, c'est un jeu, vous parlez de très lourd, mais là, de parcours différents entre sportifs. Eh bien, tous nos étudiants pourraient faire du sport, mais il y a des parcours différents le jeudi après-midi. Ceux qui font du sport, qui sont avec nous dans la compétition à tout niveau, eh bien, prennent ce jeudi après-midi pour faire des compétitions, mais leurs camarades qui sont dans la même promotion sont en TD, sont en cours, ou sont parfois en partiel. Il y a vraiment un problème d'inclusion, parce que l'ensemble
60% des étudiants ne peuvent pas faire de sport le jeudi après-midi, et ceux qui font du sport, eh bien, le subissent un petit peu par rapport à leur vie. Voilà les trois réflexions que vous voulez apporter. Et je vous remercie, c'est un peu tard. Merci, le président du Sénat. Je pense que vous avez bien entendu. Je vous remercie lorsque le président était là. Peut-être le dernier message, il aurait été plus particulièrement adressé. Et demain soir, tournoi de volley à 6, si vous voulez essayer, vous pouvez le faire de souffle Olivier Pigeot dans le ciel. Alors à l'extérieur, pour le domaine de l'amitié, on pourra travailler à ce moment-là.